Mes chers amis, j'ai encore déniché pour vous des déclarations choc faites lors de la récente session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette fois-ci, c'est la Malaisie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qui a pris la parole pour dénoncer ouvertement l'utilisation honteuse du droit de veto par certaines grandes puissances. Une utilisation abusive qui, selon lui, bloque l'ONU et l'empêche d'agir face aux atrocités de masse et aux injustices flagrantes perpétrées contre des civils à travers le monde. Les mécanismes du Conseil de sécurité font l'objet de véritables abus pour autoriser des atrocités de masse. Comment justifier encore plus longtemps le fait que nous n'ayons pas pu obtenir de cessez-le-feu? Nous n'avons plus d'excuses. Il n'y en a tout simplement plus. L'heure est venue de régler le problème. Le veto ne devrait pas être exercé impunément. Il devrait y avoir des exceptions. Il doit y avoir des exceptions dans des cas de crimes contre l'humanité, d'attaques contre des infrastructures civiles. Nous devons tous nous engager en faveur de la réforme des Nations Unies, car la justice commence là où prend fin l'impunité, là où commence la reddition de comptes. Mais le veto, qui est par définition indémocratique, non démocratique, doit être limité, voire aboli. Dans l'extrait que vous venez de voir, le ministre fait référence aux nombreuses fois où les États-Unis ont exercé leur veto, empêchant ainsi toute avancée vers une résolution du conflit à Gaza. Par exemple, lors du Conseil de sécurité de février 2024, les États-Unis ont pour la troisième fois depuis octobre 2023 mis leur veto à un projet de résolution qui demandait simplement un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Et au fond, la véritable question à se poser est la suivante. Comment un État peut-il refuser une résolution qui aurait permis de sauver tant de vies humaines? Si vous voulez mon avis personnel, je pense que ça prouve simplement le manque d'estime qui est accordé à certaines vies humaines. Le ministre malaisien a également vivement critiqué Israël pour le conflit à Gaza. Il accuse l'État hébreu de perpétrer un génocide en Palestine et reproche à Israël de bafouer systématiquement le droit international. Israël a violé toutes les règles du droit international, Convention de Genève, les principaux traités des droits humains. Il y a quelques mois, le monde a pu voir à quel point Israël faisait fi des Nations Unies lorsque un de ses représentants a déchiré en toute insolence la charte des Nations Unies, ici même dans cette salle. L'action d'Israël, chaque jour qui passe, remet en question sa volonté de respecter le système des Nations Unies, ses valeurs et les membres de ces organisations. C'est une occupation qui est illégale, un système d'apartheid, une discrimination institutionnalisée à l'encontre des Palestiniens. C'est ce à quoi nous assistons. Le régime israélien a déclaré son intention d'effacer une population entière de la carte. Ceci est un génocide. Ce ministre a ensuite conclu en exhortant l'ONU à agir immédiatement pour mettre un terme à l'impunité et à restaurer la justice et la paix. Je vous invite à découvrir sans plus attendre d'autres extraits marquants de ce discours percutant. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, Excellence, Mesdames et Messieurs, merci de m'avoir invité à intervenir à l'Assemblée Générale en cette 79e session. Devant vous ici, je représente la Malaisie et j'aimerais à ce titre réaffirmer notre attachement à la paix conformément aux valeurs inscrites dans notre chère charte. 79 ans se sont écoulés depuis la création des Nations Unies. Sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, nous nous sommes fixés un nouvel objectif, un objectif commun, celui de bâtir un monde meilleur. Et pourtant, pour de nombreux d'entre nous, ce monde n'est pas plus sûr aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 79 ans. Nombreux sont ceux pour qui ce monde est devenu encore plus meurtrier. C'est un monde où la guerre peut être déclenchée à distance et en toute impunité. Un monde où une frappe à l'aide d'un drone peut interrompre des cours dans une école, une opération chirurgicale dans un hôpital ou arrêter un convoi cherchant à livrer de l'aide humanitaire. Et pourtant, nous avons des lois qui devraient nous prémunir contre de telles pratiques. Les appels à la paix sont ignorés encore et encore et font face à des vétos. En d'autres termes, c'est un monde où le plus fort continue de faire taire le plus faible. Mais un monde où il y a encore plus d'armes que jamais auparavant. Et d'ailleurs, c'est à Gaza que ceci est encore plus vrai. Nous sommes en effet à la croisée des chemins, alors que la gouvernance mondiale échoue encore une fois et que le génocide des Palestiniens se poursuit. Nous sommes pourtant nombreux à avoir essayé
de ramener la justice au peuple de Gaza. Depuis presque un an maintenant, nous protestons, nous manifestons, nous affirmons notre volonté d'établir un cessez-le-feu. Encore une fois, nos voix sont ignorées. Elles ne sont pas entendues au Conseil de sécurité, car c'est le pouvoir du veto qui prévaut. Les mécanismes du Conseil de sécurité font l'objet de véritables abus pour autoriser des atrocités de masse. Comment justifier encore plus longtemps le fait que nous n'ayons pas pu obtenir de cessez-le-feu? Nous n'avons plus d'excuses. Il n'y en a tout simplement plus. L'heure est venue de régler le problème. Le veto ne devrait pas être exercé impunément. Il devrait y avoir des exceptions. Il doit y avoir des exceptions dans des cas de crimes contre l'humanité, d'attaques contre des infrastructures civiles. Nous devons tous nous engager en faveur de la réforme des Nations Unies, car la justice commence là où prend fin l'impunité, là où commence la reddition de comptes. Mais le veto, qui est par définition indémocratique, non démocratique, doit être limité, voire aboli. La paralysie du Conseil de sécurité est humiliante. Il faut y remédier en donnant les moyens à l'Assemblée générale d'agir, là où la majorité des États membres peuvent s'exprimer. Notre volonté de réformer est une question de vie ou de mort pour d'innombrables personnes innocentes. Des enfants sont en train de mourir, anéantis par des frappes, par des missiles. Il est temps aujourd'hui de donner à l'État de Palestine un État. 143 États membres ont appuyé le principe d'égalité entre nations en octroyant le droit à l'État de Palestine d'en jouir. La majorité a parlé. Maintenant, il reste une minorité qui doit rejoindre la majorité dans cette entreprise. C'est en dialoguant, en promouvant la diplomatie que nous pourrons trouver des solutions à long terme. Ce n'est pas par la punition collective, ni par des famines provoquées de toutes pièces, fabriquées de toutes pièces, ni par l'impunité, ni par le mépris du droit international. C'est le respect du droit international, le dialogue qui ont été à compromis. Israël a violé toutes les règles du droit international, la Convention de Genève, les principaux traités des droits humains. Il y a quelques mois, le monde a pu voir à quel point Israël faisait fi des Nations Unies lorsque un de ses représentants a déchiré en toute insolence la charte des Nations Unies, ici même dans cette salle. L'action d'Israël, chaque jour qui passe, remet en question sa volonté de respecter le système des Nations Unies, ses valeurs et les membres de ses organisations. C'est une occupation qui est illégale, un système d'apartheid, une discrimination institutionnalisée à l'encontre des Palestiniens. C'est ce à quoi nous assistons. Le régime israélien a déclaré son intention d'effacer une population entière de la carte. Ceci est un génocide. La question ne se pose même pas. L'ONU ne peut pas ne rien faire face à cela. Il faut utiliser les processus existants ainsi que les mécanismes développés par le Conseil des droits de l'homme. Nous appelons donc la communauté internationale à réinstaurer le Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid. Le Conseil de sécurité invoque le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il doit maintenant imposer un embargo immédiat sur les armes livrées à Israël. Il faut d'abord limiter ou abolir le droit de veto, donc. Deuxièmement, continuer de donner plus de voix à l'Assemblée générale. Et troisièmement, mettre fin à l'afflux d'armes vers des États voyous qui prouvent des centaines de fois leur volonté de commettre des crimes contre l'humanité. Les plus puissants peuvent peut-être se comporter de manière à donner l'impression que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Mais aux Nations Unies, la voix de la majorité ne saurait être ignorée. Nous devons donner plus de moyens aux petits pays, répondre aux défis de notre époque. Le paysage international est en constante évolution, Monsieur le Président. Les rivalités entre superpuissances, les incertitudes économiques à l'échelle mondiale, les changements climatiques, les inégalités en matière de développement, et tous les malheurs qui s'en suivent. Nous sommes à la veille du 80e anniversaire des Nations Unies, Monsieur le Président. Nous avons accompli des miracles ensemble. Notre histoire est une histoire de succès pour l'humanité, une histoire de réussite. Nous devons reconnaître que des maladies ont été éradiquées. Nous avons nourri des populations affamées. Nous avons pris des mesures décisives contre l'apartheid au XXe siècle. Nous devons le faire encore aujourd'hui. Notre détermination à
faire prévaloir la justice ne faiblira pas. Aussi difficile soit la tâche qui nous attend, il ne faut pas qu'il y ait de doute. La question qui nous intéresse aujourd'hui à Gaza est un test pour les Nations Unies. Que ce problème qui dure depuis 76 ans soit réglé aujourd'hui. C'est à nous de tout faire pour le régler. Nous appelons donc à la fin de l'occupation et nous appelons le régime israélien à respecter les décisions de la Cour internationale de justice. Que nos rêves d'une Palestine libre vivent au-delà d'aujourd'hui et au-delà des paroles que nous prononçons ici. Je vous remercie. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce discours. Pensez-vous que le droit de veto devrait être réformé ou tout simplement supprimé? Partagez vos réflexions en commentaire, je suis curieux de savoir quel est votre avis à ce sujet. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines publications. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye!